c'est bien. C'est bien pour la, dernier de l'année. Pour la cohérence de l'émission d'avoir mis les deux intellectuels ensemble. Je trouve que c'est bien d'avoir mis après Jérôme. C'est plus cohérent. C'est une belle émission. C'est vrai que c'est un grand intellectuel. Ouais, c'est une belle émission. On sent que c'est Noël, que vous avez fait un effort. Il a fallu attendre la dernière émission de l'année pour que vous fassiez un effort avec des vrais artistes. De l'émotion. Il y avait de l'émotion, il y avait des parcours de vie. Non, mais ça change de... Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission de la semaine dernière. C'était pas dingue. Non, on était loin de... Bah non, on regardait pas, mais elle était sur Miss France. Oui, je vais en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Ouais. On était loin du standing de l'émission de ce soir. Non, c'est... La semaine dernière, disons que je n'aime pas dire du mal des absents, mais on va dire que c'était une émission plus cabaret. Il y avait Jean-Marc, la marionnette de Jeff Panaclock, et il y avait aussi Eric, une des marionnettes d'Emmanuel Macron. Voilà. Le ministre est à droite. Deux grosses bébêtes aux poils roux et soyeux. Alors on lui a demandé à Eric, il en pense quoi Emmanuel Macron de l'adoption de la loi immigration? Il a répondu. Il est content. Bah, il est content. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Eric, ce que le président aimerait dire aux Français? Salut les trouducs. Voilà. Réalisé sans trucage, bien sûr. La vérité sort de la bouche des marionnettes. Mercredi soir, donc, on en parlait, le président de la République s'est exprimé dans l'émission C'est à vous sur TF1. Ouais. Alors, le choix de C'est à vous a été très commenté. Et en même temps, à cette heure-là, c'est soit C'est à vous, soit TPMP. Et je pense que Macron ne se sentait pas assez armé pour répondre aux questions de Gilles Verdez et de Moundir. Emmanuel Macron a abordé plein de sujets, entre autres celui de la fin de vie. Il a déclaré « Il faut traiter cette question avec une grande humilité ». Et là, on a tous eu envie de lui dire « File le dossier à quelqu'un, parce que c'est pas ton truc, l'humilité, quand même. Tu vas mal le faire, le carafon, Emmanuel. Mais il a promis une loi sur la fin de vie. Mais il a senti que c'était pas le bon moment, décembre. Il s'est dit « Guirlande, euthanasie, non ? Dindo marron, soins palliatifs, non ? C'est pas le bon timing, je le sens pas. » Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La mort. Moi, j'ai pas du tout peur de la mort. De celle des autres, je m'en fous assez. La mienne, ça me contrarie. Mais les autres, je le vis assez bien. Cette semaine, la loi immigration a donc été adoptée par l'Assemblée nationale avec les voix de LR, oui. De Les Républicains et de Rassemblement national. Ouais, alors, entre la motion de rejet, le Sénat, la commission mixte paritaire, c'est pas simple, la loi immigration. C'est un peu comme une pièce avec Pierre Arditi. On ne sait jamais si ça va aller au bout. Non, mais c'est Neymar, Pierre Arditi. C'est le meilleur. Mais force est de constater qu'il se blesse souvent pendant le match. Alors, cette semaine, alors les macronistes, ils n'ont pas vu venir le soutien du RN. La semaine d'avant, ils n'avaient pas vu venir la motion de rejet. En fait, ils ne voient pas grand-chose. Macron est un peu... qu'est-ce qui se passe? On est où? Alors moi, je sais qu'il a un chien Nemo. Ce que je lui conseille, c'est qu'il en prenne un autre, un vrai. Voilà. Parce qu'il est paumé. On est où? Brigitte, tu vas où? L'adoption de la loi immigration est un vrai soulagement pour l'exécutif, notamment pour la Première ministre qui jouait sa place. Oui, Elisabeth Borne était soulagée. On peut même parler de joie. voire d'euphorie. Voilà, ça c'est le moment où elle apprend qu'elle reste. Elle a son max. Elle veut rester à Matignon parce qu'elle sait ce qui est arrivé à ses prédécesseurs. Après s'être fait expulser, hein, elle ne veut pas vivre la même chose, c'est normal. Édouard Philippe, il a perdu ses cheveux et son logement en même temps. Bernard Cazeneuve, il a lancé la Convention. C'est un mouvement politique qui a moins de membres que Philippe Croizon. Il en a qu'un. Et alors, il y a pire, il y a Jean Castex qui passe ses journées dans le métro à écouter El Condor passer à la flûte de Pan. Déjà, vous voyez ça? Deux stations, c'est pénible. Mais toute la journée, vous savez que c'est pour ça qu'il y a des gens qui se jettent sous les rails. Pour pas... Le sondage pour CNews, Europe 1 et le JDD laisse apparaître que 71% des Français sont favorables à une immigration plus contrôlée et à la préférence nationale. Oui, alors,
s'ils ont fait le sondage dans la rédaction de CNews, c'est assez normal les résultats. Non, alors la vérité, c'est que non seulement les immigrés font souvent les boulots difficiles que les Français ne veulent plus faire, mais aussi que les immigrés donnent même du travail à nos quinquas blancs. Sans les musulmans, l'heure des pros, ça ne ferait pas 1h30, ça ferait 45 secondes, ce serait un spot de pub. Sans les étrangers, pas de journal du dimanche. Vous avez déjà feuilleté le journal du dimanche ? C'est, elle est française, que, le droit d'asile, machin. En fait, c'est, vous feuilletez, vous êtes, hop, les noirs, hop, les arabes, hop, les noirs, hop, les arabes. Même le journal de Mickey, il ne parle pas que de Mickey. Il y a des sujets de fond sur Dingo, sur Pluto. Il y a un complément d'enquête sur Riri, Fifi et Loulou qui arrive. Bref. Là. Mais pourquoi ce discours de la droite dure semble avoir de plus en plus d'écho ? C'est ça la question. Alors, pour, là, alors, attention, alors, là, analyse politique. Analyse politique. Papier crayon. Jérôme. Alors, pourquoi le discours voilà. Alors, vous savez pourquoi ? C'est Axone du Sud. C'est pour ça que ça passe. Pourquoi ? Parce que, c'est, regardez, il y a Éric Ciotti, Axone du Sud, Louis Alliot, Axone du Sud. Bon, le plus fort, c'est Robert Ménard. Robert Ménard est fort. Alors, pourquoi il est fort, Robert Ménard ? Parce que double technique, Robert Ménard, accent du Sud et tutoie. Il fait le tutoiement. Il dit, non, mais... Alors, il ne faut pas dire islam, il faut dire islam. Non, mais tu vois... Non, mais Jérôme, tu le sais, on ne va pas... Non, on va pas se mentir avec... Léa, tu le vois très bien. Moi, je le vois à la mairie de Béziers. C'est, le problème, c'est l'islam. C'est, alors, quoi ? Tu le sais, Jérôme, le livre, Jérôme, il le voit tous les jours. Et Léa, Christophe, tu le sais aussi, on va pas se... On est entre nous, on se dit les choses. C'est les wokistes qui m'emmerdent à Béziers. Alors, j'ai une crèche sur roulette. Donc, quand ils m'emmerdent, je sors à la crèche. Alors, ils partent, je remets la crèche. Non, et avec l'islam et les wokistes, enchaîne, tu le sais, Léa, que c'est le bordel, le disait. C'est vrai, hein ? Eh oui, mais on l'a vu, hein ? On l'a vu. L'aide médicale d'État aux étrangers en situation irrégulière n'a finalement pas été supprimée comme le souhaitaient le Rassemblement national et LR, mais une réforme est prévue en 2024. Mais oui, c'est ça. Alors, le RN et LR souhaitent supprimer l'AME car ils ne veulent plus que les étrangers en situation irrégulière bénéficient sans frais de médocs, de dépistage, de soins dentaires. Car on le sait tous, si les Afghans et les Érythréens quittent leur famille et donnent 3000 euros à un passeur pour traverser la Méditerranée à 40 sur un paddle, c'est essentiellement pour pouvoir se faire détartrer gratuitement et savoir s'ils ont des chlamydias. Alors, après, on leur dit, bon, c'est bon, Abdoulaye, maintenant que tu as les dents blanches et le slip tout propre, tu peux rentrer à ta maison de Bamako. En plus, grâce aux 50 euros d'économiser avec l'AME, le voyage t'a coûté seulement 2950 euros. Donc, tu les as bien niqués à la Sécurité sociale française. Voilà. Eh oui. L'URN affirme que certains clandestins viennent en France pour se faire poser des anneaux gastriques ou recoller les oreilles. C'est déjà drôle. J'ai envie de dire, l'URN est déjà drôle. Il y a un potentiel comique chez l'URN. Non, alors moi, j'y crois pas trop. Déjà, il n'est pas érythréen, le petit de l'eau, là. Non, je crois pas trop à cette histoire. Moi, j'ai vu les images des Érythréens, déjà, et des Somaliens. Il y a assez peu de gros, quand même. Le sans-papier est souvent à l'abri de l'obésité. Tu vois jamais une érythréenne qui est en train de feuilleter Biba pour préparer son summer body. Quant à la question des oreilles décollées, alors, on imagine mal les migrants dire « Boubacar, avec les cages à miel qu'il a, énorme !» Nous, on est partis de Tunis, il y avait un vent de dos, on a pris le vent de dos. On était à 45 nœuds de moyenne, on a fait Tunis, Lampedusa, 1h25. C'est très rare, c'est très très rare. À tout à l'heure, salut. À tout à l'heure, Philippe.